Hello, on espère que vous allez bien. Oui, je ne peux pas parler de la bouteille. On espère que vous allez bien, les amis. C'est Chaos, hein, vous le savez maintenant, hein, depuis le temps. C'est Dessy. Voilà. Donc, les amis, aujourd'hui, enfin, bordel de poils de canard, de dernière train de canard. Mel Metal. Bon, il s'est fait désirer, hein, quand même. D'ailleurs, on le précise tout de suite, vous pouvez encore en trouver sur la boutique. On a été en rupture. Il y a une nouvelle, réappro qui arrive. De quoi, Mansi ? Une nouvelle vague. Voilà, il y a une nouvelle vague qui arrive. Donc, si vous en voulez un, n'hésitez pas. Alors, oui, il est un poil plus cher que les autres coffrets, mais c'est un coffret d'importation. Voilà, pour l'instant. À l'heure actuelle, c'est de l'importation. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera chez nous, donc en France, quoi. On ne sait pas encore pour le moment. En vrai, il aurait dû sortir depuis très longtemps chez nous, mais il n'est pas sorti. Donc, Normalement, il devrait être là depuis un moment. Puis, malheureusement, il n'est pas là. Donc, pour les plus pressés comme nous, vous pouvez aller sur la boutique. On le propose exprès, en importation, pour que vous n'ayez pas besoin d'attendre. On ne sait pas combien de temps. Voilà. Autre chose, avant qu'on commence la vidéo, avant que Dessy vous montre le coffret Mel Metal, il y a eu également l'arrivage aujourd'hui du nouveau coffret Seabooster. Donc Seabooster de 2019, avec le petit fil à lit, voilà. Donc il y a du SL7, du SL6, du SL3 et du SL2, et normalement tous nos coffrets qu'on a reçus sont comme ça. Oui, on a regardé et oui, ils sont tous comme ça. Donc, Là, vous le savez aussi, il y en a sur la boutique. Et encore une fois, c'est un prix promo et ça, c'est vraiment chouette pour compléter. C'est le meilleur plan. Voilà, d'ailleurs, si jamais vous avez des séries SL à compléter, franchement, allez-y parce que c'est un bon moyen pour pouvoir le faire justement. Puis c'est des chouettes séries, mine de rien, parce que SL3, c'est de la bombe. SL6, il y a de très jolies cartes. SL7, on n'en parle pas. La Rayquaza. Et SL2, c'est aussi une très belle série avec le Tocopion. Donc c'est vraiment pas mal. Donc on l'ouvrira, les amis, dans les prochains jours, mais on ne sait pas vraiment encore quand. Oui, on ne sait pas encore quel jour ce sera à voir, mais bon, vous inquiétez pas. Ce sera fait assez rapidement. Il n'y a pas de souci. Donc on va pouvoir entamer avec cette petite merveille. Non, franchement, le coffret est super joli. Bon, et là où le point où on est quand même super content, c'est qu'il y a de l'SL9 dedans. J'ai oublié de mettre un médoc. Tu te fous de moi. En fait, t'as bu que de l'eau, c'est ça? C'est pas possible. Non mais là c'est... Tiens. Non mais c'est bon. Non mais en fait j'ai un goût de médoc. Mais si c'est pas un ancien médoc. Bref, on s'en fout dans le doute, j'en prends pas. Tu montreras juste arrière, madame, si tu présentes. Oui. Il y a deux promos dedans. Pas ça, de souci. Donc oui, vous avez là le... le petit écrou avec le petit métamorphe chewing gum juste en dessous. En toute franchise, je suis pas fan de Meltan. J'adore par contre le Mel Metal. Je trouve la carte très très jolie. Et d'ailleurs, on en profite quand même pour dire c'est la première fois que le Pokémon apparaît en carte. Franchement, j'ai l'impression qu'en fait, que le créateur qui a eu cette idée, qu'il avait des problèmes avec sa mécanique. Il avait des gros soucis, il était au bout du rouleau, il en pouvait plus, quoi. Et du coup, il s'est dit, tiens, j'ai une idée. Voilà, on va assembler des écrous. Je vais sortir ça, comme ça, et puis se démerder avec, et puis voilà. Comme ça, ils seront contents, ils auront un nouveau Pokémon. Voilà. Je sais pas, parfois j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même. C'est un peu comme genre... comment il s'appelle? Il y en a tellement, hein. Ah, j'ai plus son nom. Mais il ressemble à quoi? À des clés. Troussin. Oui, voilà, merci. Voilà, c'est... Je veux dire, le mec, il avait perdu ses clés et puis du coup, il a pensé à ça, quoi. En gros, contre, le coffret est très joli. Oui, le coffret est super choupi, par contre, il est vraiment... il est classe quand même, donc... Donc bon, pour ceux qui veulent lire l'arrière, il n'y a pas de souci. Donc vous le savez, donc il y a là les deux cartes promo. Petite jumbo qui doit être aussi très très choupie, qu'on a hâte de découvrir. Les quatre boosters et puis la petite carte à code. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, mais il n'y a pas d'évolution. Oui. Il n'y a plus d'évolution. Enfin, du moins dans celui-là, il n'y a pas d'évolution. Oui, du coup, c'est pour ça qu'on est aussi super contents. C'est que pour une fois, il n'y en a pas. Un an après, deux ans après. Ça y est. Deux ans après. C'est ça, hein. C'est deux. Évolution, c'était il y a deux ans, je suis pas fou. Ah, ça date, ouais. Ouais, deux ans après, il n'y a plus d'évolution. Alors, est-ce que maintenant les prochains. C'est un peu miraculeux. Est-ce qu'il y aura de nouveau de l'évo, tout ça. Parce que bon, on sait qu'il y avait quand même pas mal de gens qui étaient quand même, disons, pas très très contents parce qu'à chaque fois, il y avait toujours de l'évolution, etc. Mais il fallait bien écouler les stocks, dans les coffrets. Attends, c'est que le début de l'année, s'il te plaît. Il peut encore y en avoir. Voilà.
Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a quand même un effort, c'est qu'il n'y en a pas. Et au moins, il y a quand même deux... j'allais dire deux séries, mais non, c'est pas deux séries. C'est deux boosters de la série actuelle. Donc du coup, c'est quand même assez cool, parce que si jamais, bah, pareil, ça peut aussi être l'occasion de compléter pour ceux qui le souhaitent. D'ailleurs, les amis, en attendant que DC ouvre le coffret... Fais attention quand même, Alicia. Hein. Mais c'est pas moi. Ah bah non. Donc les amis, aujourd'hui là, on tourne. Vous entendrez bientôt l'église parce que on va pas vous mentir, chez nous là, il va être, enfin, il est midi normalement. Non, il est 59, 11h59. Donc il va y avoir l'église. Donc, c'est un peu chaud patate. vous savez qu'aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial vu qu'il y a le Pokémon Direct. Voilà. Donc malheureusement, on peut pas en parler avec vous là tout de suite. Oui, mais je pense que ça n'a pas encore eu lieu. Voilà. Mais et du coup, on pourra pas, voilà, vous dire deux trois petits trucs, des machins, tout ça. On pourra rien vous dire malheureusement. Mais je pense qu'on fera une petite vidéo. Voilà, j'ai deux trois petites idées en tête. Là, je pense que Dessy ne sera pas avec à ce moment-là parce que bon, je l'ai prévenu un peu trop tard et mentalement, ça passe pas pour la facecam. Ouais, non, ça passe pas. Là, psychologiquement, il me faut au minimum un an de préparation psychologique. Donc, du coup, les amis, ce sera... Voilà, peut-être qu'on fera quelque chose ensemble. Ce sera peut-être une vidéo facecam. Voilà, ce sera... Voilà, on parlera en tout cas du Pokémon Direct et de ce qui a été dit ou de ce qui sera... Enfin, de ce qui a été dit, de ce qui va éventuellement venir dans les prochains mois. Donc voilà, on fera tout ça tous ensemble. Voilà, on se mettra en facecam et on pourra blablater un peu tous ensemble et revenir sur le Pokémon Direct. Excuse-moi, je te coupe, mais en fait, elle est super choupie. Elle est trop mignonne. Mais ouais. 177 et 178 pour le coup. Alors par contre, elle est super mignonne, mais... Ouais, franchement, elle est mignonne. Ouais, mais alors comment dire qu'elle a un effet chelou, hein, la carte, hein. Ouais, merci Madison. Je t'en prie. Oui, bon. Alors, par contre, j'adore la promo. Et maintenant, j'ai pas vu Melmetal, moi. Ah, pardon. Merci. Donc, voilà pour le petit Melmetal. Franchement, il est mignon. Franchement, quand on l'a en face, hein, je parle, hein, quand on le voit peut-être juste comme ça, avec un retour cam, voilà, c'est jamais pareil. C'est comme quand on voit une carte en photo, etc. C'est jamais pareil, mais quand on les a en face, c'est toujours beaucoup plus beau. Mais là, franchement, oui, ça nous avait fait ça récemment avec une carte, je sais plus laquelle c'était. Oui, je sais plus laquelle. C'était une vieille carte. Enfin bref. Et qu'est-ce que je disais ? Oui. Et donc bref. Donc même si on n'aime pas vraiment le Pokémon en lui-même, c'est parce qu'il est content pour qu'on fasse pour ça. Et tous ceux qui demandent aller où l'église, eh ben, super mignon. Voilà. En fait, l'église, elle est dehors. Voilà, tout simplement. Donc ouais, franchement, elle est super choupie. Le côté holo rend super bien, franchement. Il rend super bien, donc là. La Melmetal est magnifique aussi. Hein. Ouais, moi j'aime moins quand même. Moi j'adore. Hein. Je préfère plus Melmetal. Bon, en fait, enlève les coups, ça fait métamorphe. Si t'enlèves les coups, c'est métamorphe. J'adore métamorphe. Oui, mais c'est pour ça que t'aimes bien cette carte, en fait. Je l'adore, mon petit métamorphe. C'est pareil. Hein. Quand genre, s'il y a des petits objets, des petits goodies, etc. avec Métamorph, ou même quand il est en forme de Pikachu, etc. Bon voilà, je sais que Kaios aime pas, mais franchement, moi je fonds, je craque à chaque fois, c'est voilà. Voilà, voilà quoi. Donc du coup, un booster SL de base, un booster SL6. Donc en fait, l'évolution a juste été remplacée par SL de base. Mais au moins on reste dans Soleil et Lune quoi. Voilà, au moins ça reste sur le bloc. Et puis voilà, comme dit, peut-être que parmi vous, il y en a peut-être voilà, qui apprécient la série SL de base ou qui n'ont peut-être pas Seul fini de compléter. Seul Galéo Rainbow, SL de base, voilà, j'ai rien d'autre à dire, c'est juste magnifique, bon, tu te gardes le petit code. Par contre, ouais, je le garde pour moi. Oh là là, j'aime pas quand ça frotte, je vous montre. Ouais, ça c'est... Je déteste ça, ça là, j'aime pas. On a connu pire parce que là, je sais on pas, il y a pas... On a connu pire, oui, mais ça frotte, j'aime pas ça, j'ai horreur de ça, c'est merde. C'est moi où les promos, elles sont enlevées super simplement. Oui, ça c'est bien ça. Ça bloquait moins. Ah bah ça c'est bien. Il y a toujours les bitonneux sur le côté, j'ai préféré quand même les versions précédentes. Ah oui, elles sont là les trucs. Ah oui, oui. Ils avaient fait sur d'autres coffrets, franchement, des systèmes pour enlever les cartes. Ah, c'était magique. Beaucoup mieux. Ah ouais. Franchement, la valisette, non, c'est pas ça. C'est la valisette, je crois. Je parlais pas de la valisette. Il me semble que c'était même dans le coffret Gardien des Îles. Il me semble que ça le faisait aussi. C'est des petites parties qui s'emboîtent à l'arrière et du coup qui bloquent
la carte. Mais sans avoir de petits bitonneux sur les côtés. Voilà, et il n'y a rien, il n'y a pas de petits trucs en plastique qui ressortent sur les côtés exprès pour bloquer et qui, bah, du coup, vous abîme la carte. Abîme à 80% de temps la carte. Voilà, ça, vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances que ça vous l'abîme plutôt que l'inverse. Même si c'est pas vraiment de la chance en fait. Non, mais bon. Mais bref, du coup, quand il y avait ce petit système qui se bloquait à l'arrière, c'était quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, du coup, là, on va pouvoir mettre les petites cartes juste ici et on peut commencer l'ouverture. Donc là, on va du coup enchaîner avec celui de SL de base. Comme ça, on va terminer avec SL9, hein, bien évidemment, et puis ensuite, on enchaînera avec SL6 en deuxième. Ah, je croyais que tu voulais être le 6 pour la fin. Non, pas du tout. Non, mais j'ai pas tout suivi. C'est pas grave, t'inquiète. Hop là. Et c'est parti. Bah, super. Ça commence bien. Un concombre. Alors, cocon baf. Monte un peu ma déci pour le retour. Hamza. Ouais, enfin, quand j'ai un petit chat Arlette, ça fait longtemps. Ouais, celle de base. Ah, quoi. Ah, oh, Evoli, toi, tu l'aimais pas? Non, pas du tout. Et je l'aime toujours. Il pas. Est trop mignon. Non, il est trop mignon. Regardez-moi cette petite boubouille. Ah, moi, je fonds, moi, quand je le vois. Un petit nounourson. Un flamiaou. Oh, il est pas mal du tout. Un petit charter. Un bacabou. C'est le booster, hein. Oh là. Mon Dieu. Et on va terminer avec un petit mastou. Super. Bon, ça va qu'il est mignon. Il est mignon quand même. Alors, donc là, on peut enchaîner avec SL6. Avec un petit mandrillon. Hop. Ah, tu avais mal aux fesses? Ah ouais. C'est dur le bois. Je suis pas assis sur un fauteuil ou autre, mais je suis assis sur 3 mm de bois, donc du coup c'est pas trop mal. Le pauvre. Hop. Et c'est parti. C'est SL2, hein, c'est ça? Non, c'est SL6, oui. Bah oui, non, mais je croyais que c'était le coffret 6 booster, mais non, pas du tout. Ah bah non, pas trop. Oh là là, t'étais perdu là. Alors, donc, pardon, excusez-moi, donc Brutali. Oh. Calimukis. J'adore cette carte. Génial, je peux pas en dire autant. Carmash. Ah, un petit fennec, il est mignon ce petit fennec. Oh mon Dieu, le pan d'espiègle, que je n'ai jamais pu. Moi je le trouve mignon. Oh, regarde sa tronche, je peux pas. Moi je le trouve mignon. Oh, il est dégueulasse. Cabriolaine. Ah, un petit sinistrel. Celle-là, j'aime bien. La petite sépia top, elle est super mignonne. Et pourtant, on peut plus blairer sépia tross. Hein, non, franchement, je peux pas blairer, mais il faut quand même avouer une chose, c'est que la carte, elle est ultra mimi. Les couleurs sont très, très douces. Les traits sont fins. Au niveau de l'illustration, c'est bien réalisé. Il y a un petit côté kawaii. Enfin, c'est vraiment mignon. Poil métal. Il faut vraiment que Jessie vous fasse une vidéo, les amis, où elle va présenter des petites cartes qu'elle aime bien. Ça, je pense que ça peut le faire. C'est pas forcément des ultras, mais c'est les dessins trop mignons. On a pas fini. Hein. Ouais, non, mais... Préparez-vous, on en a pour l'année. Et on termine... Ah bah, tu vois. Bah, pourquoi t'en as parlé? Mais, en toute franchise, je préfère celle-ci à la Sepia Tross UX, hein, personnellement. Oh mon Giga Dieu, Spectra, qu'est-ce qu'elle a pu nous poursuivre. Oh, ouais, oh. Attends, bah. Oh, cut. Tu l'as dit. Oh, cut, ah, mon Dieu. Au cas où. Ouais. Ah, mais cette carte, elle nous a poursuivis, mais on a eu un gang. C'était horrible. Ah, d'ailleurs, les amis, vu que Desi est en train d'ouvrir maintenant SL9, on en profite pour vous dire que la deuxième méga arrive. Voilà, on va en faire une deuxième. Ça y est, elle arrive. On est trop, trop, trop contents de pouvoir en faire une deuxième. Enfin, ça fait même presque troisième. Ouais, presque trois. Dire. Si on... Parce qu'il y avait eu les displays qu'on avait ensemble. Ouais, il y avait le début de la casebox. Voilà. Donc ça fait limite 3 mégas. Parce qu'il y avait quand même de la quantité, du coup. Donc oui, du coup, il y avait ça. Après, il y avait la méga qu'on avait fait après. Et puis bah, là, du coup, celle qui va arriver. Voilà. Là aussi, elle commencera très bientôt. On aimerait la mettre en ligne avant la sortie de Détective Pika, qui va pas tarder. Hein, oui, c'est un peu chaud patate. D'ailleurs, si jamais, vous pouvez retrouver tous les produits Détective Pika en préco directement sur la boutique. Donc franchement, n'hésitez pas, parce que ça va pas tarder à sortir. Ça se joue à pas grand-chose. Et il y a des allocations.
Donc on a une grande quantité à commander, donc il vaut mieux assurer le coût. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vous garantir qu'il y aura du rab ensuite. Voilà, là, du moins pas pour l'instant. Si vous précommandez, ok, ce sera bon. Mais si vous ne le faites pas et que par exemple, je sais pas, genre vous voulez attendre après, ce sera compliqué. Peut-être qu'on en aura, peut-être oui, pas. Peut-être, tout à fait. Voilà, tout dépendra des quantités fournies. Mais oui, voilà, ça peut être difficile pour la suite. Alors, si jamais il y en a, peut-être que le prix sera un peu plus cher parce qu'on aura un autre fournisseur chez qui lui en aura peut-être encore. Donc vaut et mieux tenter d'assurer le coût. Et d'ailleurs, pour ceux qui le veulent, il y aura aussi bientôt des Pokébox. Oui. Notamment, pareil, vous pouvez aussi les retrouver en préco sur la boutique. Les mini-teens, tout ça. Oui, les mini-teens également. Toujours prévu pour le mois de mars, voilà. Par contre. C'est bien fin mars. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui savent pas ce que c'est que les mini-teens, donc c'est vous avez 5 modèles en fait de mini-pokébox. Elles sont super choupies, elles ont un design vraiment très très mignon. Ouais. Et sur le dessus, donc, vous avez donc un Pokémon qui est représenté, donc vous avez Pikachu, Evoli, Salamèche, voilà. Donc il y en a 5 en tout, et à l'intérieur, donc vous avez aussi une petite carte, voilà, qui au final va représenter les Pokémon qui sont sur le dessus de la boîte correspondante. Et au final, bah, ça représente une fresque et c'est super joli. Donc dedans, vous avez aussi un jeton et puis vous avez 2 boosters. Et franchement, c'est super choupi, c'est très 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 mignon. Et là, on fait que parler. Pardon, l'avant-ville. Mais c'est vrai que c'est super mignon. Ouais. Ça, Nidorino. Perceuse dangereuse, un petit nanuf, Galvaron. Vous sentez le coffret Miaouss. C'est possible, hein, mais c'est possible, mais bon, franchement, jumbo, c'est promos, ça, là, c'est pas grave. Du moment qu'on peut partager, voilà, tous ces instants avec vous, y a rien d'autre qui compte. Nidoran, un petit Tambrilex, Galopa, du coup, en reverse, et on termine avec un petit Mimiki. Elle tombe pas souvent. Oui. Celle-là, d'ailleurs, oui. Mais elle est très mignonne. Ouais. Avec toutes les ouvertures qu'on a fait avec vous d'SN9, Mimiki, elle a dû tomber 2 fois. Ouais. 2 ou 3 fois. Et la Tortanque en rare n'est jamais tombée. C'est ouf. Alors autant, c'est oui, on a la version du deck, hein, parce que ça tombe en match parfait. Mais la version rare, normale, n'est jamais tombée. Même la reverse. Non, mais en fait, c'est pas compliqué. La couleur. Il y a toujours des cartes qui sont pas forcément dingues à avoir, hein, voilà. Ah mais alors chez nous. Mais c'est toujours celle-ci en fait où on va galérer. Mais par contre, les plus rares. La vraiment, Rainbow, on l'a vu super vite dans SL7. Oui, voilà. L'Hyper les Ball. Ouais, l'Hyper Ball dans SL de base. Oh là là, c'est tombé cash. Même la Tocopion dans SL2. L'Ultra Necrozmagold. Ah vrai. Ouais. Pareil, on se disait ouais. Si on tombe dessus, c'est un miracle et bim! C'est tombé! La Dracaufeu Rainbow d'SL3 aussi. Hein. C'était. Elle est tombée 2 fois et on l'a plus jamais revue. Oui, après on l'a plus jamais revue, mais c'est pas grave, au moins on l'a eu une fois chacun. Mais oui, franchement, dès qu'il y a une carte qui est vraiment rare, donc compliquée, vraiment, vraiment, vraiment compliquée à avoir. Là, on arrive à tomber dessus. On tombe, ouais, on tombe vraiment dessus, il n'y a aucun problème. Bon, alors quand c'est des petits trucs. Ouais, c'est même pas la peine. C'est comme si c'était vraiment ça qui était le truc de la rareté pour nous, quoi. Du coup, ça devient plus compliqué. Enfin bon. Alors, un petit Persian. Oh, qu'un artichaut, il est trop mignon. Un petit Cosmovum. Tadmorv. Suivi donc de Nanuf, le retour. Ah bah, Umbrellox aussi d'ailleurs. Eh bah, Miaouss aussi. Comment il y avait Miaouss là? Ouais. Un Nidoran. Ah, un petit Vostourno, il est mignon. Et on va terminer du coup avec Ammonistar. Bah, au moins elle est au lot. C'est au moins oui, ça. Oui, Ammonistar, elle nous poursuit. Oui, et pourtant, pourtant, on a galéré pour l'avoir, ouais, cette Ammonistar. La première à faire tomber, c'était impossible. Mais alors après. On n'arrivait pas à l'avoir. C'est carnaval. Hein. On n'arrivait pas et finalement, bah, maintenant. Sans problème. Elle sort tout le temps. Du coup, voilà, c'est comique. C'est comique. Donc bah du coup voilà, donc on espère que le coffret vous a plu. J'adore cœur, les franchement, promos. Ouais voilà, franchement elles sont super classe les promos, puis bah comme dit ça complète. Ouais. Du coup on est super contents. D'ailleurs les amis, on vous montrera bientôt une partie de nos promos. Voilà, on sur le bloc SL, on va d'abord faire par bloc. Je pense, ah moi j'aurais pensé qu'on aurait d'abord parti sur des vieilles promos parce qu'il y en a qui ont de la gueule clairement. Oh, mais par bloc plutôt, j'aime bien quand c'est organisé. Ok, bah d'accord, bah Wizard.
Bon, bref, on verra. Mais en tout cas, on vous fera bientôt des petites promos qu'on a et dont on est super content parce qu'elles sont vraiment belles. On vous fera aussi les jumbo, tout ça, tout ça. Voilà. Et on n'oublie pas les tops. Je sais plus du tout où on en était. Je crois que ça doit être le top des FA maintenant. Oui, FA de XY. Il va falloir qu'on s'y remette quand les sorties se calmeront un petit peu. Parce que là, je pense que ça va s'enchaîner. Il y aura les mini-teens, il va y avoir des Pokébox, il va y avoir. Donc préparez-vous, il n'y aura que des ouvertures. voilà. Il y aura le film aussi. Enfin, voilà. Qu'on ira voir. Oui. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si vous. Voilà, dites-nous en commentaire, les amis, si vous comptez aller le voir. Moi, personnellement, au début, je me suis dit non. Il était pas chaud du tout. Ouais, ouais. J'ai dû faire forcing un petit peu. Mais en fait, le petit cul de Caninos, là, dans le petit cul de Caninos. Non, mais tout poilu et tout, j'adore. Je vous explique. Chaos, il y a une race de chiens qu'il adore, qu'il surkiffe. Mais... Moi, c'est ce que j'appelle, dans mon langage à moi, un roule-cul. Parce que cette race de chien... C'est du racisme, ça. Oui, bah oui, évidemment. Parce que cette race de chien a un certain nom pour rouler du cul. C'est énorme. C'est pas vrai. Souvenez-vous, il y avait une pub pour un téléphone portable, les amis. Le début de la pub, en fait, voilà, c'est... Il y a un zoom arrière, sur le cul du chien. Et c'est vrai, il roule du cul. Mais c'est pas vrai, il est incompris. C'est du racisme envers les toutous, ça. Bon, en fait, pour Chaos, très clairement, pour qu'un chien lui plaise... Il y a 3 critères de sélection. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu vas raconter? Il y a 3 critères. Faut qu'il roule du cul, faut qu'il ait les poils super longs jusqu'à en dégueuler de la gueule. Mais c'est pas vrai! Et. C'est pas vrai! Faut qu'il ait de l'embonpoint. Mais c'est pas vrai, ça! Oh là là! Ça, c'est un truc. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est de la discrimination, ça. Eh. Exemple. Rien qu'un seul petit exemple. On sort, on est en voiture, il y a un chien qui fait un saut mais de la mort qui tue, sur le trottoir. Il était trop mignon. Des poils mais tu voyais même pas la différence entre la tête et le cul. Il était trop mignon. Chaos qui fait ouah. Il était trop mignon, bordel. Il était mignon. Je suis sûr, il aurait été tout seul, t'aurais ouvert la porte. Ah, j'aurais embarqué. Donc je te l'aurais rasé, ouais. Bah quoi. Genre pas, non. Trop de poils. C'est du racisme, ça, tu te rends pas compte. Eh, c'est comme tes bergers de brie. Comment ils font pour voir si tu leur mets pas un petit nœud dans les cheveux? Non, les bergers de brie voient très bien. Faut pas déconner, ils voient très bien. Ils voient très bien, ils sont habitués comme ça. Puis c'est super mignon. Ils se prennent les murs, ouais. Non, ça c'est les carlins. Dis donc. Eh. Pourtant, ils ont pas de poils devant, hein. Pardon. Tu laisses les petits carlins tranquilles. T'avais bien aimé E.T. Hein. J'y peux rien, elle s'appelait comme ça. C'est un aspirateur au film. Oui, mangez tout. Ouais. Ah, c'est parce qu'elle avait de l'embonpoint, c'est pour ça que tu l'aimais bien. C'est pas vrai. Si elle était un peu rondelette. Arrête avec ton racisme. Oui, t'as raison, vaut mieux qu'on les laisse. Ah, les amis, on est désolés. Là, c'est du n'importe quoi. On vous abandonne, ça y est. Ouais, là, faut qu'on arrête la vidéo. Je sais pas ce qui s'est passé, on a fait que parler. Je sais pas. N'oubliez pas, les amis, on fera très certainement, enfin, ce sera moi du coup, il y aura très certainement une petite facecam, une petite vidéo avec un petit récap du Pokémon Direct. Parce que là, bah, comme dit, on n'a pas pu en parler. Maintenant, il est midi 17. Voilà, bon, on a commencé à 11h59. Ne vous inquiétez pas, moi aussi, je ferai bientôt une facecam, mais pas tout de suite. Voilà. Donc bref, on reviendra les amis sur le Pokémon Direct, on en parlera tous ensemble. Ce week-end, il y aura également très certainement le coffret 6 boosters. Et dans le même temps, il y a peut-être le début de la méga. Parce que voilà, on veut pas non plus que ça tombe après Détective Pika. Donc ce sera dans la... Voilà, en tout, la première méga, ce sera entre maintenant et la première quinzaine de mars. Voilà. À peu près, voilà, les deux premières semaines de mars. Donc ça, on verra, on aura encore le temps de tout mettre au point, tout ça, tout ça. Wally Wallou. Tu peux y aller. Je peux conclure. Donc si la vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous pouvez également retrouver encore une fois le coffret Melmetal EGX directement sur la boutique www.pokebasement.com. Certes, c'est un peu plus cher, mais c'est de l'importation parce que voilà, il est toujours pas sorti en France si ça se trouve. Voilà, il sortira dans 3 mois ou alors dans 3 jours, hein, voilà. Mais en attendant, pour le proposer le plus rapidement que possible, on passe par l'importation. Malheureusement, ça a un petit coût, mais on essaie vraiment de le répercuter au minimum. Voilà. Et pensez également au coffret 6 boosters 2019, les tout nouveaux coffrets qui sont pas mal du tout quand même.
ainsi que les produits Détective Pikachu. Voilà, vu qu'on en a parlé beaucoup. Si jamais vous voulez un lien direct pour aller sur la boutique, vous l'avez en description de toutes les vidéos. Et ce sera également en commentaire épinglé. Voilà. Voilà, voilà. Donc, les amis, écoutez, quant à nous, on se retrouvera très très vite. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et profitez à fond de votre passion.